Et yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Ori and the Blind Forest. On est encore dans le mont Oru, mais cette fois-ci je pense qu'on est vraiment vers la fin puisqu'on avait baissé la dernière fois le niveau de la lave deux fois et on avait accès à une nouvelle salle qui se trouve donc en dessous du niveau de la lave. On voit que techniquement la lave était ici, donc on va pouvoir rentrer dans cette porte-là. Et alors, où est-ce qu'on se retrouve? Je ne sais pas où est-ce qu'on se retrouve. Je peux pas ouvrir la map, mais c'est pas grave. On va grimper, on va venir ici. Ok, alors je peux pas aller bien loin. Alors, on va essayer de... Oh! Il y a le cœur du mont Oru. L'élément de la chaleur est à nous. À présent que tous les éléments ont été ravivés, nous pouvons réparer les dégâts causés par son courroux. Ok. C'était donc le dernier élément. Oh! Mais qui voilà? Je me doutais bien que ça n'allait pas si simple. Ok. Par contre, attends, je sais pas ce qu'il va falloir qu'on fasse. Oula, ça brûle dans tous les sens. Ah! Ok, très bien. Très bien, très bien. Alors, je peux venir par ici. Ah oui, c'est bon, ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, ah ouais, 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 ouais. Ok. Là. Vite, vite, ah non, mince. Ok. Il faut qu'on se serve. Hop, il va falloir qu'on se serve de... Voilà, et... Ok, très bien. Il va falloir qu'on se serve un petit peu de... Ah, super. Hop. Ok. Chaud dans tous les sens du terme. Mon dieu, mais le problème c'est que ça me donne pas beaucoup d'infos à chaque fois sur qu'est-ce qu'il faut faire. Mais on va y arriver, à force. Ok. Vas-y, je saute en l'air, parfait. Ok, je fais ça. Ah, j'allais dire je fais ça, comme ça je suis tranquille. J'ai pas à m'occuper des flammes, etc. Mais bah, faut quand même que je m'occupe a priori de... Mince. Faut quand même que je m'occupe de... Mince, comment elle s'appelle déjà? Je ne sais plus. Ok, parce que là, il y a tout qui s'écroule. Hop, ok. Là, on est bon. Alors, là, vas-y. On vient jusqu'à là. On vient là. Ok, là. Ok. Parfait. Attention, la coulée de là. Ah non, attends, c'est au premier plan. Mince, je me suis fait avoir. Ok. 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 Ouf, c'était limite, mais c'est passé. Ok. On redescend par ici. J'ai galéré, beaucoup galéré. Attends, mince, attends, comment faut faire ça? Attends, je reprends de où là? Ok, je reprends d'ici, ça va. Ok, je sais ce qu'il faut faire. Faut qu'on s'accroche là et que j'aille comme ça. Voilà, parfait. Ah, par contre... Ok, très bien. Heureusement qu'il y a eu un checkpoint là, hein, parce que j'avoue que refaire tout, ça aurait été un peu galère. Mais bon. Ok. Lui. Ok, en fait, il faut que j'arrive à choper son missile, mais rapidement, parce que du coup, j'ai pas trop de temps, hein, clairement. Hop, on va monter en haut. Vas-y, encore. Mince, où est-ce qu'il faut que j'aille, en fait? Ah, il faut que j'aille là-bas, j'avais pas vu. Ok, j'ai vu qu'il y avait un chemin, comment dire, sur la droite. On va essayer d'aller par là-bas. Ok. Allez, let's go. Ah, j'ai du mal. On va y arriver. Hop. En même temps, ces épreuves-là, à chaque fois, c'est quand même... ça me fait penser à l'épreuve où on avait monté avec l'eau là qui défilait. Voilà, parfait. Les gars, il faut que j'aille jusqu'ici. Très bien. Ok. Là, je sais pas où faut aller. On va faire ça. Ok. Ok, alors attends, je sais pas où aller exactement, donc on va essayer de faire comme ça dans l'eau. Ah non, mince, j'ai pas eu le temps. Ah, je reprends d'ici, mince. Ok, bon, c'est pas grave, c'est pas très très loin.
Ok. Si je sais ce qu'il faut faire, on est bon. Ok. Vite. Ok, c'est bon. C'est passé. C'est passé, c'est passé. Alors. Hop. Hop. Vas-y. Hop. Et hop. Ah, mais mince. Je peux pas aller dans l'eau, en fait. Ou alors, faut que je me serve des autres pour y aller plus vite. Peut-être que c'est ça. Ok, vite. Je me suis pris un petit dégât, mais c'est passé. Mince. Non, mince. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. On va y arriver, on va y arriver. Hop. Un petit peu de challenge, là, mine de rien. Ça fait du bien. Hop, voilà. Là, on y est. On y est, on y est, on y est. En plus, je pense que... Mince, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je pense que... Comment dire ? Fois que je me fais avoir. En fait, je pensais qu'il y en avait encore un en dessous. Un truc qui jette des projectiles là, mais du coup, a priori non. Ok. Très bien. On vient là. On vient là, on vient là. Mince. C'est Kuro, je crois qu'elle s'appelle. Ok. La chouette là. Ouais. Ou alors, faut que je me serve deux pour aller encore plus vite vers le bas. Peut-être. Peut-être que c'est ça. Mince, mince. Mince, mince. Et le feu, il monte vite, hein, mine de rien. Le feu monte vite. Ah, mais j'arrive pas. Ah, mais... Ah, quand même, j'allais dire. J'arrive même pas à casser ça. Hop. Ok. Vas-y, viens par là. Ouf. Oh là là là, tout devient rouge, tout devient enflammé. Ok. Ou alors, faut que je monte. Ah, faut peut-être que je monte, en fait. La vraie solution, c'est peut-être ça. Quoique, je suis pas sûr. Non, je pense pas. Ok, je pense que c'est lui, là. Mince, comment j'y vais? Comment j'y vais en bas, là? Il y a un truc que j'ai pas vu ou que j'ai pas tilté, qu'on pouvait utiliser. Ok. Parfait, ça, ça va. Du coup, maintenant, j'ai réussi. J'ai réussi, j'ai réussi. Ok, mince, c'est pas ce que je voulais. En fait, je sais pas quoi faire avec Kuro, là. Ça devient embêtant. Ok. Vas-y, tire-moi dessus, parce que là, ouais, j'allais dire, j'ai plus de projectiles. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il n'y a pas un endroit caché où je peux accéder, là? Je ne sais pas à quoi ils servent, en fait. Ah, il y en a un là aussi. Ok. Ou si je tire sur Kuro? Non, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Non, ben, je pense qu'il faut aller en bas, parce qu'il y a de l'eau. Donc, c'est ce qui me semble le plus logique. Ok, vite, vite, vite. Ah mince, j'ai perdu du temps. Attends. Oh, j'ai réussi à passer. Donc en fait, c'est juste une question de timing, en fait. C'était juste une question de timing. Et ça m'a mis, oui, vous ne pouvez pas créer de truc, mais je voulais rien créer, en fait. Je voulais rien créer à la base. Par contre, je peux pas en créer là. Non, okay. Très bien. Très bien, très bien. Oula, oula, oula. Attends, je monte, je monte, je monte. Non, non, fallait pas monter. Fallait pas monter, mince! Je sais pas où faut aller! Oh! J'avais pas vu qu'il y avait de l'air en fait! Ok, 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 ok. J'ai... Ah bah c'est parfait, par contre on a eu un checkpoint ici, donc c'est très bien. Ok. Ok, alors attends, 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 c'est pas ce que je voulais faire, je voulais faire ça. Voilà, parfait. Alors, hop! Faut que je me serve des cailloux. Oh non, j'aime pas ça. J'aime pas, mais bon, on y arrive quand même. On y arrive quand même. Y'a le feu, y'a le feu, y'a le feu. Vite, cours, cours. Ok. Elle les laissa brûler, pensant avoir vaincu ma lumière. Ori, je t'en prie, relève-toi. Parce qu'il y a tout qui est en train de cramer, hein.
avec l'arbre aux esprits derrière. L'arbre aux esprits, il est si proche, c'est notre dernier espoir. Allez, relève-toi, Ori. Ne serait-ce que pour sortir de cette forêt enflammée, là. Hop. Alors, du coup, c'est Iné, là. L'arbre aux esprits est proche. Il nous reste une dernière étape. La forêt de Nibel renaîtra. Et du coup, on y va en planant, mais on s'est fait choper. Yanaru. Ah, du coup, on contrôle Naru. Vite, vite, vite. Faut qu'on aille au secours d'Ori. Et donc, je pense que c'est la fin du Let's Play. Et oui, effectivement, c'est la fin du Let's Play. Eh ben écoutez, que d'émotion, du coup, en cette fin de Let's Play. Du coup, on a réussi à échapper à Kuro dans la forêt enflammée. Et elle nous avait chopé, elle nous avait rattrapé au moment où on allait s'enfuir vers l'arbre aux esprits. Mais, morale de l'histoire, c'est que c'est Naru qui est venu sauver Ori à la fin, alors que tout au long de l'histoire, on contrôle Ori, et justement, c'est lui qui veut sauver la forêt. Et en plus, à la fin, qui sauve la forêt ? Eh bien, c'est Kuro qui va replacer
du coup, alors je sais pas, c'est le cœur de l'arbre ou la lumière de l'arbre, en tout cas, à l'endroit où elle l'avait volé en début de jeu. Et donc, la forêt, les flammes s'éteignent, la forêt reprend vie, etc. Très très cool, très 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 sympa. Et donc, à la fin, on voit que Ori, avec plein d'autres elfes, enfin je sais pas si c'est des elfes, des lutins je crois, des esprits, voilà, c'est des esprits sylvestres si je me souviens bien. On en voyait plusieurs au pied de l'arbre avec Ori. Et on a vu à la toute fin, du coup, Naru dans sa tanière et avec l'œuf de Kuro, puisque, rappelez-vous, il restait un œuf à Kuro, et c'est pour ça qu'elle voulait le protéger, en fait. Elle en avait déjà perdu deux ou trois, je crois. Et l'œuf éclos dans la tanière de Naru, donc on suppose que c'est Naru qui va s'en occuper. Et je vous avoue que j'ai vu deux, trois screens de Ori 2, du coup, et il me semble que cette chouette, parce que du coup, c'est une chouette, hein, l'œuf, on la revoit dans le deuxième opus, et il me semble que justement on fait une partie de l'aventure avec Ori et la chouette. Donc ça va être très cool, en tout cas, la suite des événements. Il y a une suite au jeu, alors on la fera peut-être pas tout de suite, mais elle arrivera sur la chaîne, ça c'est sûr. En tout cas, pour terminer mon ressenti sur le jeu, bah écoutez, incroyable, hein, je suis parti sur Ori parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, ne serait-ce que par ses graphismes, par sa musique, par l'histoire, et effectivement, je peux rien dire de plus, voilà, c'est incroyable, les musiques qui accompagnent, c'était ouf, là, même à la fin, là, le final était franchement top, le graphisme, franchement, c'est très beau, il y a une ambiance très mystique, il y a un côté un peu naturel avec tout ce qui est la forêt, etc., et en même temps, un peu magique, mystique, avec les esprits, etc. Donc, très, très, très sympa, en tout cas, de découvrir ce jeu. Et je suis très content de l'avoir fait. En tout cas, n'hésitez pas à me donner, vous, votre ressenti sur le jeu. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir fait. Par contre, je regrette de l'avoir fait aussi tard. J'aurais su, je l'aurais fait plus tôt même, parce que franchement, très 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 sympa. En tout cas, bah écoutez, je vous laisse avec la fin du générique. J'espère en tout cas que tout le let's play vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air. Et on se retrouve très bientôt pour de prochains let's play. Et sur ce, bye tout le monde.